Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais mélanger tous mes slimes comme vous l'avez vu sur la miniature et sur le titre. Et comme vous pouvez le voir, alors moi je m'en suis rendu compte quand j'ai ouvert toutes mes boîtes, mais il y a pas mal de teintes vertes et moi j'aime bien essayer de deviner un peu quelle couleur sera le slime à la fin. Et je pense qu'il va tourner soit sur du vert, soit sur du marron, car il y a du vert et du rose, du violet. Enfin, je pense que ça peut tourner sur du marron aussi, même si je préférais que ce soit vert. Écoutez, c'est parti. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle couleur vous voyez le smoothie slime à la fin, pour voir si vous aviez raison. J'aime bien aller voir vos petits commentaires pour savoir. Allez, c'est parti, on va commencer par un slime vert, comme ceci. Il est plutôt joli. Regardez, il a des belles teintes brillantes et tout. En fait, ça fait un vert très très clair quand il est à la lumière. J'adore. Alors la plupart, je ne sais plus à quelle occasion ils ont été faits. Donc j'ai prévu un grand récipient, mais les slimes sont plutôt de taille normale, voire petite pour certains. Donc peut-être que le récipient est un peu grand, mais c'est pas très grave. Ensuite, on a celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai fait sans colle. Donc il est fait avec de la pâte à modeler, de la mousse à raser, de l'eau. Et en vrai, le résultat est plutôt pas mal pour un slime sans colle. J'espère qu'il va bien se mélanger aux autres. Alors le prochain, c'est un fluffy slime, mais je ne sais plus à quelle occasion il a été fait. Il a une belle couleur pastel, j'aime bien. Ah, peut-être que j'ai pas vu le récipient, peut-être que j'ai l'impression qu'il est trop grand, mais en fait il va vite se remplir. J'ai mis que 3 slimes pour l'instant. Alors ensuite on a un slime rose plutôt flashy et plutôt joli. Il a même des paillettes, je sais pas si vous les voyez. Ensuite, on va retourner sur un slime vert qui est très joli. Oula, par contre, il est très très dur. On peut l'étirer tout doucement, mais il a durci. Bon, regardez. Je vais quand même le mettre en espérant qu'il se mélange bien. Hop, je le mets comme ça, écoutez, c'est pas très grave. Ensuite, on a un slime qui tourne un petit peu sur du vert, mais un petit peu à teinte dorée. Regardez, c'est un kaki un petit peu doré, je trouve ça joli. Oh, celui-ci par contre il a une superbe texture. Waouh, j'adore. Celui-ci c'est celui que j'ai fait avec de l'eau si je me rappelle bien. Ensuite, on a un slime tout à fait banal. Il est fluffy et blanc. Par contre, il colle un peu. Je sais pas pourquoi il colle. Mais bon, ça va. J'ai hâte de voir la couleur à la fin, franchement. En espérant qu'il reste sur une teinte verte. Déjà, le blanc va l'éclaircir un peu. Pour moi, c'est sûr, c'est vert ou marron. Après, si ça se trouve, ça va être tout autre chose. Alors ensuite, on a un... je sais pas trop la couleur. Dites-moi en commentaire si vous voyez ce que c'est comme couleur. Il tourne un petit peu aussi sur le vert, mais c'est pas un vert, c'est marron... Ouais, marron-vert, on va dire. Allez. Il s'étire trop, trop bien. Et je ne sais plus à quelle occasion il a été fait. Par contre, il sent fort. Je sais pas ce que j'ai mis dedans. Écoutez, le saladier est plutôt bien rempli. Il nous reste 3 slimes. Alors, on retourne sur une teinte verte. Mais cette fois-ci, donc c'est un fluffy slime. Il a un petit peu durci. Et c'est un vert clair. Presque vert pastel. On ne peut pas dire vraiment pastel parce qu'il est encore un petit peu foncé. Mais on n'est pas loin.
Ensuite, on a un slime violet avec plein de paillettes à l'intérieur, super joli. Je vais le mettre par là. Et enfin, le dernier, c'est un de mes préférés. Je l'ai gardé pour la fin parce qu'il est super joli. Regardez-moi cette couleur. J'adore. Même la texture est superbe. On a pas mal de slime avec une bonne texture, donc j'espère qu'au final il va être bien au niveau de la texture aussi. Car souvent mes smoothies slime ils finissent super durs et tout. Là je sais pas, j'ai pas mal de slime pas mal, donc pourquoi pas. Donc voilà, là j'ai mis tous les slimes, donc j'ai bien fait de prendre ce saladier tout compte fait parce qu'il est presque rempli. Et regardez sur les côtés, ça donne ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois mélangé. Donc voilà le résultat, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Autant vous dire que je suis extrêmement déçue du résultat, je trouve vraiment pas beau en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement la couleur est vraiment pas ouf. Je sais même pas ce que c'est comme couleur. C'est vraiment pas beau. On a un slime qui s'est mal mélangé, c'est le vert qui était tout dur. Bon ça c'est pas très grave. Donc voilà, la couleur est vraiment pas superbe. Je m'attendais vraiment pas à ce genre de couleur. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. En tous les cas, j'ai bien aimé faire le mélange quand même, c'est plutôt sympa. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis! Et j'ai hâte de voir si vous aviez raison pour la couleur.